Bonjour tout le monde, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler une fois de plus de PowerShell et nous allons voir comment obtenir l'espace disque restant sur une machine Windows à l'aide de commandes PowerShell. Alors on va directement partir dans la démonstration, c'est une session 100% démo que l'on a aujourd'hui. Donc me voilà sur une machine Windows 10 dans laquelle j'ai ouvert PowerShell ISE. J'ai triché un petit peu parce que j'ai déjà préparé à l'avance mes différentes commandes pour gagner du temps plutôt que de vous faire patienter à chaque fois que je les saisis. Alors, on va commencer en fait déjà par voir la commande que l'on va utiliser aujourd'hui. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux méthodes de faire, au moins deux méthodes de faire pour récupérer l'espace disque en PowerShell. Donc, on va s'intéresser à la classe Win32 Logical Disk qui va permettre d'obtenir des informations sur les volumes actifs actuellement dans Windows. Donc, grâce à la commande get-wmiobject, on va pouvoir aller consulter cette classe assez facilement comme ceci. Et là, elle va nous retourner des informations par rapport au volume actuellement monté sur le système. Donc, on retrouve bien le disque C. Ici, c'est le lecteur DVD et là, un partage, un lecteur réseau monté, donc correspondant à un partage. Donc là, on voit qu'on a la propriété FreeSpace qui semble plutôt intéressante puisqu'elle indique ce qu'on recherche, l'espace disque restant, à chaque fois pour chaque périphérique, pour chaque volume. L'inconvénient de cette sortie, c'est qu'elle est, elle est exprimée en octets. Donc concrètement, c'est pas très lisible, c'est pas très agréable à lire. Alors ce qu'on va chercher à faire en fait, c'est améliorer la sortie pour avoir un résultat directement en gigaoctets, ce qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à lire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler en fait la sortie et les propriétés que l'on veut sélectionner. Donc on va ajouter un pipe. On va faire un select object et on va avec un tiret property et derrière, on va spécifier les propriétés que l'on veut afficher. Donc le device ID qui permettra d'avoir la lettre, le volume name comme ici système, potentiellement il peut être vide s'il n'y a pas de nom, et ensuite l'espace disque, donc la propriété FreeSpace. Donc là, j'ai mis cette syntaxe-là, ce qui va nous permettre en fait d'agir sur la valeur de la commande, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la retravailler, ce qui va permettre de la recalculer directement. Donc concrètement, là on a le label qui permet de spécifier le nom de la propriété, donc FreeSpace, et l'expression qui va nous permettre d'agir sur la valeur. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre notre valeur FreeSpace pour chaque volume, et à chaque fois on va diviser en giga par 1 giga, ce qui va nous donner la valeur en gigaoctets. La méthode toString, en fait, ici, est utilisée afin de formater la sortie et d'avoir un résultat avec seulement deux chiffres après la virgule, plutôt que d'avoir un résultat avec 5-6 chiffres après la virgule, ce qui n'est pas terrible non plus. Donc si j'exécute cette commande-là, eh bien, on peut voir que j'obtiens un joli tableau avec les lettres, le nom des volumes et à chaque fois l'espace disque exprimé cette fois-ci en gigaoctets. Si je vais dans l'explorateur ici, on peut voir que 27,8 correspond bien à l'espace disque restant sur mon disque C et 9,56 sur mon lecteur réseau. Donc la commande fonctionne parfaitement, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut faire exactement la même chose avec get-siminstance en utilisant la même classe et la même méthode, à la différence qu'ici, on a le volume name et là, c'est remplacé par name. Donc si j'exécute ça, c'est exactement le même principe. On a une sortie comme ceci, avec exactement les mêmes valeurs concernant l'espace disque, c'est bien, il y a une certaine cohérence dans Windows. Et enfin, je vous propose de voir un dernier exemple où là on va stocker la liste des volumes au sein d'une variable qui s'appelle listDisk, comme ceci, et on va la parcourir à l'aide d'une boucle foreach afin de stocker l'espace disque restant dans une variable et de l'afficher dans une console. L'avantage de ça, c'est que là, on vérifie l'espace disque, mais vous pouvez derrière, dans la boucle foreach, exécuter d'autres actions complémentaires. Donc en fonction des différentes syntaxes et des méthodes que je vous montre, à vous d'utiliser celles qui correspondent mieux à ce que vous cherchez à faire. Si j'exécute ce bloc de script, comme ceci,
On peut voir que j'ai une jolie phrase à chaque fois. L'espace disque restant sur ces deux points est de 27,88 Go, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on avait vu précédemment. Alors, il y a une petite différence, et non pas des moindres, entre GetWMI Object et GetSim Instance. Il faut savoir que cette commande-là est compatible uniquement avec Windows PowerShell, alors que celle-ci, Get-Sim Instance, est compatible avec Windows PowerShell ainsi que PowerShell Core, on va dire, entre guillemets, donc autrement dit avec PowerShell 7. Donc ce qui est intéressant, puisque la première commande, quant à elle, ne fonctionne pas avec PowerShell 7. Voilà, grâce à cette petite démo, vous êtes désormais en mesure, à l'aide de PowerShell, de récupérer l'espace disque restant sur votre machine. Si cette vidéo vous a plu, bah mettez-moi un petit like, c'est toujours agréable. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!